Yo les gars, c'est Armé, bien le bonsoir, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxery. Aujourd'hui, on va aller acheter le tout dernier fruit du démon du shop, les gars. On va bien voir ce que ça va être et bonne chance à moi. Prions pour que ça ne soit pas le shop, hein, tout simplement le dernier fruit du démon du shop. On va bien voir ce que ça va être. On va essayer de monter des levels, on va essayer de le monter level maximum et tout. À moins que ça soit le léopard qui a 300 et quelques mastery. Là, ça sera un peu plus compliqué. On va bien voir, les gars, on s'y dirige. C'est un peu long. Oui, je vous l'accorde, c'est un peu long. On va s'épêcher, on va y aller un petit peu plus vite. C'est parti. Let's go découvrir tout ça, qu'est-ce qui possède ce fameux shop, et on open. Ok, c'est parti. Le shop, c'est bel et bien reset. Ok, nickel, du coup c'est ce que j'attendais. C'est le shop précédent, je l'avais déjà open et c'était le Ruber, donc on verra bien si c'est toujours la même chose. Donc les deux fruits du démon de base, Racket Spin, très bien, on est en shop. Ok, prions pour que ça ne soit pas le dernier fruit du démon. Celui-là, j'étais à 30 000 dollars, non merci. Ensuite, on descend, pas de flamme. Dommage, pas de ice, non. Dark, diamant, oh. On a le light, les gars. Or, le light est vraiment pas mal. Je crois, attendez, on a déjà acheté le light, les gars. Non, on a jamais acheté le light. Ok, incroyable. Pas de rubber aujourd'hui, pas de barrière. Oh non, oh non, les gars, je pense vraiment que ça va être le gosse, le dernier fruit du démon. Je pense qu'on va devoir partir sur le gosse. On verra bien. Bouddha, non, Lost, Spider, Sound, Phoenix, Portail, y'a rien du tout, les gars. C'est fini. Wow. Oh, il y a le mammouth aussi. T-Rex. Non, non. Attends, c'est le dernier fruit du démon. Oui, je pense que c'est le dernier fruit du démon. Ok. Donc le mammouth est le dernier fruit du démon, les gars, qu'on va pouvoir acheter. Donc bah, comme le veut le défi, les gars, parce que je rappelle que le défi, bah du coup, c'est d'acheter le tout dernier fruit du démon sans même savoir ce que c'est. C'est parti. Ok, voilà, il voulait pas s'acheter. C'est bon. Le fruit du mammouth a été acheté. On l'a jamais joué du tout sur Bloxery. On a le ancien cutter. Oh là 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 là. Oh le mammouth du futur, les gars. Ah, je vous dis qu'on va réussir à l'amener loin ce fruit du démon. Bah vous savez quoi, les gars? C'est parti. Go farm main dans la main les masteries de ce fruit du démon. Je pense que 300 masteries, ça risque d'être un petit peu compliqué de les obtenir. Je peux pas faire un random fruit. J'aurais bien voulu en faire un avec vous, les gars, mais j'en ai fait déjà un tout à l'heure pour un futur concept de vidéo. Ok, dans 1h20, donc on a vraiment le temps. Et j'ai besoin du coup d'amasser pas mal de fruits, les gars, pour pouvoir vous faire un prochain concept. Si vous voulez un petit sneak peek, un petit leak, ça sera un concept raid. Mais du coup, il me faut des meilleurs fruits actuellement. Ah, j'ai un peu des meilleurs fruits. D'ailleurs, j'avais reroll un spider la dernière fois. Donc j'étais un peu triste d'avoir eu double spider à la suite, mais c'est pas grave, je vais nous dire let's go, toujours tout droit, on va partir en C3. C'est vrai que j'ai pas monté en level, j'ai pas trop pris de risque, je vois, parce que j'ai que 5000 PV, donc je vous avoue que c'est un petit peu compliqué au début, et là ça va toujours l'être, hein, la complexification ne va pas être plus simple, mais on va essayer de monter en level le plus possible, hein. Je vais essayer de monter pour les prochains épisodes, là, de monter toujours sans mourir, bien sûr, les gars, on rappelle, hein, c'est hardcore, qui veut dire pas de mort. Je souhaite être un pirate. Ok, c'est bon, on vient d'arriver en C3, le retour, les petits potes, comment ça va? Oh, attendez, la kill observation, j'en suis à où? Parce qu'à tout moment, on peut faire la kill observation. Ah, oh, ok. Bref, vous savez, les gars, on a vraiment pas mal de choses à faire. Comme aussi les V3, ça serait cool qu'on change plusieurs fois de race. J'ai 3000 fragments, j'ai tout juste assez en plus pour faire ça. Et ouais, va falloir perdre plus de temps, les gars. On va choper notre petite quête et ça va partir. Pirate Podcast Giver. Oui, je vais les pirates millionnaires. Ouais, faut vraiment qu'on avance, les gars, parce qu'on a tout le temps la même quête. Hein. Je vous promets que par la prochaine vidéo, ça sera avancé. 53 millions de dollars. Aïe. Oh, le sacré coup d'épée, les gars. On a perdu 800 PV sur un coup d'épée. Faut que je fasse gaffe parce que. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ils ont. Oh non. Ok, ça va être un peu plus complexe que ce que j'imaginais, les gars. C'est vrai que les compétences peuvent pas aller au sol. C'est parti. Première compétence. 12k damage. Ah, ça va pas être le fruit le plus rapide à monter en level. Ah, attendez, on a vraiment perdu pas mal de PV. On se cache des compétences. Et là, attends. Boum. Ok, nice, les gars. Ils sont à moitié de PV quasiment. On va pouvoir leur remettre un X comme ça. Et là, c'est bon. Là, on devrait les one-shot avec mon futur Z. Alors, revenez tous là. Ça serait bien que vous regroupez tous ensemble pour éviter d'utiliser un Z dans le vide. Et là, boum. Oh là 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 là. Oh là là, la pluie des Mastery. Mastery 85. On a déjà débloqué une nouvelle compétence. Le Troop Historic Pend. Attendez, c'est pas déjà. Oh, ok. Attends, on va le laisser sur une personne uniquement pour voir. Bah attends, déjà, tiens, prends-toi ça, moi. Prends mon petit Z là. Tiens, prends petit Conqueror comme ça là dans la bouche. Et là, t'es prêt? Attends, c'est toujours en cooldown. C'est pas facile là. Ok, boum. Ok, on le voit dans les airs. Et là, ok, classe. Ok, bah 3000 de dégâts. En plus, ça fait exactement autant de damage que l'attaque précédente. En rendre dommage, les gars, qu'on peut pas se transformer en mammouth. Là, on aurait le clic. Ouais, c'est vrai que là maintenant, il n'y a pas le clic. Mais pour tous les futurs fruits du démon de Bloxery, il y aura toujours un clic. Donc ça, c'est cool. Mais pour le moment, on n'a pas de clic. Alors, Mastery 91, Mastery 100, on aura le C, le Colas Crusher. Ok, donc là on va en choper 3 et du coup on devrait pouvoir les kill deux fois plus vite maintenant qu'on a une seconde compétence. Ok, attendez, hop, prenez-vous ça. Ok, j'aurais peut-être dû faire le X en premier, non?
Ah ouais, le X en premier, c'est pas mal en vrai, c'est peut-être mieux. Attendez, je vous ramène par ici pour pas que vous despawnez, parce que sinon, ça va être un peu plus relou. Prenez-vous ça, ok, nice. Et vous êtes tous là, là, les potes. Et là, je crois bien qu'on arrive sur la fin. Donnez-moi ma 100e mastery, j'en ai besoin là. J'ai besoin de plus de compétences. Ok, prenez-vous ça. Tiens, viens là, toi. Hop là, dans les airs. Et là, on a le Colas Crusher. Bah, tu sais quoi? T'as voulu me taper, toi? T'as voulu me taper? Ok, très bien. Et bah, elle va être testée sur toi en première. Boum. Oh là là, let's go. Oh là là, le comment c'est déjà le ah non, c'est pas le bon truc quoi. Le non, toujours pas le bon. Ouais, le Colas Crusher. Ok, on est pas mal. En termes de stats, on va mettre dans le fruit du démon, les gars. Et après, on va être level max. Donc après, on va mettre dans la mêlée, je pense. On n'a pas besoin de beaucoup de PV, les gars. On a la clé de l'observation. On esquive tout. On voit dans le futur. Pourquoi avoir besoin de PV, les gars? On en a vraiment pas du tout la nécessité. Attendez, est-ce que j'ai drop le pilote helmet? Ah, j'ai toujours pas drop. Oh, j'ai très très peu d'accessoires. En vrai, faudrait peut-être que je fasse une chasse aux accessoires à un moment. Ou drop tout simplement là le pilote à le mettre sur stone là-bas, mais pour le moment il a toujours pas spawn, donc ça risque de pas être dans cette vidéo. Mais en vrai, on a pas mal de choses encore à faire sur la série hardcore, les gars, donc vous inquiétez pas, il y a encore de quoi faire le temps que je ne suis toujours pas mort. Et j'ai l'impression que la mort n'est pas près de venir, hein. Vous voyez, les gars, j'ai l'air de plutôt bien m'en sortir. Par contre, du coup, là maintenant que j'ai 3 compétences, on commence par quoi comme combo? On commence par le X suivi du C peut-être. Ok, là, boum. Ok, suivi du Z. Oh là là, ouais, et les gars, on a mis grave des dégâts. Après, c'est vrai que j'ai toutes mes stats dans mon fruit du démon, donc encore heureusement que je mets beaucoup de dégâts. Parce que là, je suis one shot. Non, je les one shot pas. Il y en a encore en vie. Ok, c'est bon, j'en ai kill 1. Pas réussi à tous ces kills encore. Bam. Tiens, attends ça. Les gars, on est vraiment en train de les kill 1 par 1. C'est n'importe quoi. Ok, bien là, toi, je te mets l'eau. Et là, le Z. Hop là, ça termine les deux. Encore des masseurs en plus. Là, ça met bien de zinzin. Mais j'ai envie de tester cela là. Qu'est-ce qu'ils ont comme compétence déjà? Je crois qu'ils font des tornades. Ce qui est très relou. De toute façon, je vais pas tarder à vous affronter. Donc, je vais très rapidement savoir ce que vous faites réellement en compétence. Ouh, ok. Et là, ils sont mal dans les airs. Ils redescendent. Et vas-y, vas-y, vas-y. Il me tire un pistolet. Toi, t'es un zinzin, toi. Ok, prends-toi ça. Voilà. Terminado, pipo. Et 300 masseurs. Ah, on a une fois deux masseries sur ce compte. Oh, incroyable, les gars. Attendez, on avance. Le x2, ouais, je me suis un peu trop, les gars, parce que j'ai pas mal de comptes à la fois, donc ouais, ok, j'ai le x2 ma souris. Non, mais je sais même pas, j'ai quoi comme game pass, j'ai littéralement tout le game pass. Ah, mais j'ai pas le x2 drop, ok, ça j'ai pas, et ça non plus, j'ai pas, ok, j'ai pas le x2 drop et le fruit notifier. Par contre, j'ai Dark Blade, les gars, qui est ma souris 29, je fais n'importe quoi, faudra vraiment que je me décide à la monter un jour, parce que bon, ma souris 29, là c'est un peu la honte. À un moment, les gars, inquiétez ou pas, on va passer Swordman et on va augmenter tout ça, ça va vraiment être bien. Aussi faire la TTK, mais oh, on rompiche la TTK, c'est vraiment compliqué de zin. Cette soirée d'un monté. Oh, presque à damage, c'est bien de fou. Ok, aïe, 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 aïe. Attendez, 2700 PV là, faut que je fasse gaffe. Attendez, 2200 même. On est bien descendu en PV, mais ça va. On est encore en vie pour le moment. On n'a pas trop de quoi s'inquiéter. Quand même un peu. Ok, venez là. Là, les 3 chopés. 1900 PV. Ok, pour le moment, on est encore ok. Wesh, le dash de zinzin. Et je m'attendais pas non plus à un dash aussi loin. Et là, du coup, il reste plus qu'une personne à vaincre. 2500 PV. De quoi ne pas mourir encore pour le moment. Et là. Allez, vas-y, ok, boum, terminé, merci pour la quête, merci pour les sous, ça fait plaisir, ça régale, vous me rendez complètement riche, là j'en ai plein les poches, et là hop, on met encore tout dans le fruit du démon comme je vous ai dit auparavant, et voilà à peu près tout, la lune commence à descendre, je crois bien que ça, hein, que ça nous dit simplement la fin de la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est vrai que vidéo assez courte parce que du coup on a plutôt bien découvert le mammouth, mais prochaine vidéo du coup, si c'est une vidéo encore sur le mammouth, bah ce sera level du coup maximum. Ou peut-être autre chose, parce que je vais essayer d'augmenter au maximum mes levels à tir la gogo, les gars. Je vais essayer de au moins monter level 1600 sans mourir. Si je meurs, bah je vous ferai une vidéo. Ça se trouve, ça sera ma prochaine vidéo, se trouve, ça sera la dernière, parce que je serai peut-être mort entre temps. Vu que j'ai le mammouth, c'est pas un fruit très très simple. Et surtout, ça va être plus que très 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 long d'XP avec ce fruit du démon. Mais je vais me donner au maximum, les gars. Je vais faire mon maximum pour passer tous les levels possibles et imaginables. Et voilà, après tout, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir fait plaisir au maximum. Vous aura diverti à tir la gogo, c'était CRB et on se retrouve pour de prochaines péripéties sur Blox3. Prenez soin de vous, ciao tout le monde, à la fin prochaine, bye bye.